Ce jeudi 17 octobre 2024, une réunion stratégique s'est tenue à la direction générale des recettes du Kassai, déjà Kassan sigle, sous la houlette de Madame Brigitte Issaka Kasupa, DG de cette régie financière. Les discussions ont tourné autour du lancement de l'opération de bouclage des engins automoteurs qui sera déclenchée le 11 novembre 2024 sur toute l'étendue de la province du Kassai. Diemerci Boulamba Ngwapichi, DGA en charge des questions techniques, a invité les chefs de division, les présidents des motards et les présidents des chauffeurs taxis à sensibiliser la population de s'acquitter de leur devoir civique en payant les vignettes, les plaques d'immatriculation, les taxes de circulation routière et celles de transport des personnes et de leurs biens avant le 11 novembre pour ne pas tomber dans les pénalités. Brigitte Issaka Kasupa est DG de la DGRCAS. C'était une façon de sensibiliser nos services d'assiette qui puissent nous accompagner au bouclage qui est prévu le 11 novembre sur toute l'étendue de notre province pour la maximisation des recettes, pour accompagner notre gouverneur qui est le chef exécutif à atteindre le développement de notre province. Nous demandons à tous les contribuables sur toute l'étendue de notre province de nous accompagner à la mobilisation des recettes. Rappelons que les territoires de Dekissi, Mouika, Ilebo, Luebo et Chikapakamonia sont tous concernés par ces recouvrements forcés qui démarrent le 11 novembre 2024.